C'était en la fête de la Nativité de Marie, Mère de Jésus, qu'une messe d'action de grâce a été présidée le dimanche 8 septembre 2024 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par Mgr Stanislas Lukumwena, évêque émérite diocèse de Kolé, aux côtés de l'évêque diocésain Mgr Emmanuel Bernard Kassanda et de ses deux vicaires généraux, Mgr Grégoire Chimena et Jacques Kabengele, dans une concélébration de 51 prêtres et de deux diacres. Cette messe était caractérisée par plusieurs événements, notamment le jubilé d'or des vies religieuses de la sœur Marie-Jeanne Sangana, le vœu perpétuel des sœurs Léonie Sanga, Joséphine Kapinga et Angèle Karumbu-Côte, ainsi que le vœu temporaire des sœurs Anastasie Baloubouila et Marie Mboya de la congrégation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus au diocèse de Mbujimayi, mais aussi les anniversaires, notamment 25 ans après la mort du premier évêque de Mbujimayi, Mgr Joseph Kongolo, et les 15 ans d'épiscopat de Mgr Emmanuel Bernard Kassanda depuis qu'il est titulaire du diocèse de Mbujimayi. Dans son sermon, l'évêque émérite de Kolé, Mgr Stanislas Lukumwena, a invité les consacrés et tous les autres hommes de Dieu à la fidélité aux engagements pris avec leur Dieu, le renoncement, la pauvreté, l'obéissance, la chasteté et l'humilité, mais surtout enracinés dans la prière. En étant fidèle chaque jour au projet toujours nouveau de Dieu. Renoncement matériel, aux moyens matériels. Renoncement à la fécondité selon les critères humains. Renoncement à une partie de l'autonomie personnelle. Mais ce vide qui se crée en nous est fait pour être comblé par la présence et par l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui habite notre prière et qui fait de notre vie une prière. Il est celui qui nous rend pauvres de la pauvreté du Christ. Il est celui qui nous rend chastes de la chasteté du Christ. Il est celui qui nous rend obéissants de l'obéissance du Christ. Au moment des cérémonies, la sœur jubilaire a rendu grâce à Dieu, indiquant que ce qu'elle est jusqu'à ce jour, c'est grâce à la grâce gratuite lui faite par Dieu. Les sœurs à vœux perpétuels et temporaires ont promis à leur Dieu et aux hommes la pauvreté, l'obéissance et la chasteté, telle qu'en parle ici la sœur Angèle Karumbu. Même ma sœur Angèle Karumbu-Côte, Jindaya Bwakashidi, Bujikabu Pwangana, Butumikene Bupele, Bumujibobi Funda, Mushindamenu, Watusumbu Chaba, ma sœur Batereza Monsantoyez Moana, Vidimo Kuluani, Jumumanye Butefeteboani, Jumutekemena, Jumbatisha, Jasiritwe, de Wamene, Kulamata, Malaya, Andinienza, Bujisuile, Kumpalakwebe. Amen. À cette occasion, l'ordinaire du lieu, Mgr Emmanuel Bernard Kassanda, s'est consacré à la protection et à l'intercession de la Vierge Marie. À cette messe, on a remarqué la présence du gouverneur du Kassai oriental, Jean-Paul Mbwebwe Kapo, des députés provinciaux et de quelques ministres provinciaux du Kassai oriental. C'était la fête.